Annie, j'écoute. Allons, nous avons besoin d'aide. Étant donné l'angle d'impact du vol 11, tous les escaliers et ascenseurs menant aux étages supérieurs sont condamnés. Plus de 1300 personnes se retrouvent prises au piège. Il n'y a aucune issue, aucun plan d'évacuation. Monsieur, vous avez vérifié les ascenseurs? Oui, ils sont tous hors service. Bon, on a besoin d'eau. Les robinets ne fonctionnent plus. Vous pourriez essayer de trouver des bouteilles d'eau, même de l'eau des vases, tout ce que vous trouverez. Merci. Mettre les gens à l'abri. Vous ne pouvez pas nous indiquer un endroit où nous réfugier? Attendez, madame, vous m'appelez sur la radio. On va faire tout notre possible pour vous trouver une solution. On demande si c'est possible de briser les vitres. On ne peut plus respirer. Monsieur, est-ce qu'on ne peut pas casser les vitres? Non, pour l'instant, ne touchez pas aux fenêtres. Qu'est-ce qu'on fait alors? Appelez dans 2 ou 3 minutes. Je vous remercie. Ça nous avance.